La nouvelle moto, tes questions. Deuxième question de Olivier de Morges à propos d'une Kawasaki Z1000 A1 de 2005. Les points faibles de la Kawasaki Z1000 A1 de 2005, c'est difficile à dire pour moi de nouveau. Parce que bah, voilà, je ne l'ai pas essayé et tout, mais c'est clair que comparé à une moto de maintenant, donc de 2016, elle aura beaucoup de désavantages parce que bien sûr il n'y a pas forcément l'ABS comme maintenant, il n'y a pas la même technologie que maintenant, c'est peut-être pas aussi fiable en fait. À l'époque c'était une bonne moto, j'ai fait comme toi vu que je connais pas très bien, j'ai été sur Google un peu me renseigner, mais à l'époque c'était une bonne moto, c'est sûr que maintenant bah voilà, elle est dépassée, mais je pense que tu peux encore te faire plaisir avec ça, sur la route il n'y a pas de problème. Après, pour bien, ben voilà, faudrait l'essayer de nouveau.